Eh ben, je suis avec mes cousins canadiens, là. Hein? Et puis Philippe, oui. Il a pris un gros redfish. Eric, il a pris un gros redfish. Le grand-père, il a pris un gros redfish. Et puis ben Vincent, il est avec son redfish maintenant, là. Hein? Mais quand je dis un gros, hein, à Vincent, hein? C'est des gros, hein. Et tu vois, Vincent, il a quel âge? 12 ans? 12 ans, ouais. Tu vois? Hein? Alors, comment s'appelle la blonde, là? Je ne me rappelle plus, là, tu m'as dit. Hein, Andrea? Alors, ça, c'est une petite film pour Andrea, la jolie blonde. Elle a des yeux bleus? Hein? Oh. Alors, Andrea va voir que sa movie star, là, elle est en train de se battre avec un poisson énorme. Alors, c'est un film qu'on fait à côté de Daytona. C'est à Ponce-Inlet. Et on prend des poissons, on va dire, énormes. Hein, c'est des poissons de 35, 40, 50 livres. Là. Et là, maintenant, j'ai Vincent qui est en train de se battre avec un monstre. Là. Et Vincent est content. Il la canneplie, mais le fil ne rompt pas. Allez. Hop. Non, non, non. Vas-y, vas-y, c'est bon. C'est bon. Allez. Ramène-le sur la gauche, là, maintenant. Allez, ramène-le sur la gauche. Vas-y, fais-nous voir que t'es costaud, mon gars. On va te faire voir que les Canadiens de 12 ans, c'est pas des petits, hein. Regarde ça, hein. Voilà, c'est bon, tu te bats super bien. Laisse-moi mettre... Voilà, comme ça. Voilà, regarde-le, le poisson qui arrive, là. Regarde-le, le poisson qui arrive. Putain, mais il se bat vraiment bien, sans déconner, à la canne, hein. Je savais pas qu'il était si costaud que ça, moi. Je regarde, hein. Pas fait que du jus de pétrarque, ça, hein. Hein? Ça rigole pas, hein. C'est des pêcheurs, ça, hein. Ouais, ceux-là, ils ont intoxiqué le père, hein. Voilà, et voilà le poisson arrive en surface, vas-y. Vas-y, continue. Voilà. Et voilà, c'est un gros. C'est un gros poisson! Oh, c'est un beau poisson. Ah non! Regarde-le, c'est un énorme, c'est un énorme. Ouais! Oh! Et regardez l'expression du pêcheur qui se défonce! Ouais! Wow! Ouais! Ça, c'est un super. Il rentre tout juste dans l'épuisette. Et on le ramène là. On le met au pied du pêcheur. Assis-toi à côté. Assis-toi à côté. Et voilà. Alors, voilà ce que ça donne! Hey, la vie est belle, hein? C'est pas beau, hein? Ouais. Et c'était la vie est belle, hein? On pêchait avec Captain Fred à Daytona. Ouais. Fishingguide.com.